Ah mais laissez-moi le menu. Oh, salut Marcus. Mais c'est Marcus. Tiens donc, je m'occupe de tout. Tu s'occupes de rien. Alors que le timer continue pendant la cinématique. Et dans la verrue. Merci. Vas-y, marche tout doucement, ça fait déjà 30 secondes de perdu. Je veux dire, je vais à la forêt maudite m'occuper de Franck. Je fais confiance pour ça, nous on s'occupe de Naga. Pom 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 pom. Le timer continue dans le menu, évidemment. Oui. Parce que sinon, c'est pas drôle. Désolé pour les bruits de mallette, hein, mais là... Alors... Ok. Normalement, il n'y a pas d'objet. Dirigez-vous vers le sud, puis vers l'ouest. Continuez vers le nord. Ah, je suis poursuivi par des meufs. Là-bas, c'était pas direction la... une tour? Non, c'est pas une... c'est une tour, si, ça. C'est une tour. Non, mais tu m'as dit vers l'ouest. Hop, et puis remonte au nord, là. Ouais, voilà. Hein? Là, tu prends l'allée centrale et... Ah! Vers le château. Laissez-moi tranquille, pas l'autographe! Voilà, par Games Week ici. Et vite gauche ou droite? Tout droit. Oui, mais après? Ah, bah, à gauche, à la bibliothèque, donc non. Putain. Ah! Tout droit, c'est le mur. Continue vers le sud. Tu te rappelles pas Ah d'accord. On, a pas on est au château, hein. Mais non mais d'accord, mais moi je sais pas où est la salle d'exécution. Ah, On l'a jamais exploré la chambre. Non, mais c'est la chambre de Grenard, elle est encore dans sa chambre, je crois. Bah, je sais pas. Logiquement. Moi. Ah du coup, il faut remonter l'escalier en colimaçon du début. Donc, effectivement, là, on... Oui, on va voilà. Tout au sud, ok. Tout au sud, sur la droite, il y aura la salle des gardes, donc tu remontes l'escalier, tout ça. On va pas repasser dans le menu, on s'en fout. Pas de temps. Si, en vrai, on a le temps. Ah non, parce que je crois que le boss... Hop, 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 c'est là. Vers le nord, à deux reprises. C'est bon. Là, par contre... C'est à droite, je crois. Continuez vers le nord à deux reprises. Examinez le chandelier près de la cheminée. Ah. Quoi? Comment ça? Par rapport à là où je suis. Par rapport à là où t'es, tu continues encore au nord. Mais t'as vu là où j'étais ou pas? Ouais. Dans un écran, en face il y a une porte. Il y a trois chemins. En fait. Au loin. Oui. Le nord, tout droit quoi. D'accord. Merde, il est passé où le mec? C'est un peu con. Apparemment, il y a un chandelier près de la cheminée. Ah oui, effectivement, je l'ai vu. Triga, où es-tu? Y a rien ici? Non. Attends, parce que. Tac, tac, tac. Non, c'est pas lui. Organix! Ah, ça y est! Ah, mais des grosses patates de forain avec Gigi. Oh, vraiment étrange ce chandelier, dis donc! Hop! Ah oui, effectivement! Incroyable! Une bas de cave! Et tu peux réappuyer dessus, apparemment? Pour? Ah non. Non, en fait. Putain, c'est Poudlard! J'espère c'est pas un mimique hein. Non. Nosung. Voilà, ça c'est fait. On en a deux. Et puis voilà. Là faut descendre de toute façon. Oui. Ah, y a rien dans les salles adjacentes. Bah surtout qu'on peut pas y accéder. Oui. Non. D'accord. Oh, c'est le boss que je crois que ça va être. Ya. Yeah. C'est en haut.
Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est? Ah, faut y aller. Ah non, c'est bon. Ouais, dépêchez-vous, parce qu'on a plus de 25 minutes. Hein. Venez discuter. Ah, que faites-vous ici? Il faut toujours que le don dérange. Nous ne vous le pardonnerons pas. Je lui savais. Ok. Oui, ils ont des trucs, ouais, des trucs cool à voler. Ouais, ouais. Et ils ont deux chacun, je crois. Ouais, notamment sur Pile. Plus intéressant. Ah, Pile, bon, préféré. Aux aumons. Oui, c'est des lapins. Ouais. Donc là, l'été. C'est un boss qui a une mécanique très très nulle. Ah oui. Galaxias. Ok. Cool. Donc il faut taper, ouais, celui qui a la pile. Sinon, il va faire son, ouais, attaque. Oui, voilà. On va stocker avec Bibi pendant 8 ans. Galaxias, c'est un gant, je crois. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme Coraline et tout, c'est un objet de poignée. Partisan, bon, ça c'est bon. Bon, bah, pile, c'est bon. Surface. Oh! Il y a deux trucs aussi. Face à Atomium! Face à Atomium! Demandez des RT! Super important pour l'avenir de la chaîne, je t'aime pas. Ah. Alors je crois, par contre, quand on tue un, on tue les deux. Mythe armure, donc c'est cool. Il y en a un qui a moins d'HP, je crois. En plus. On va défendre avec Steiner au cas où. Donc ouais, en gros, chacun se buff l'autre mutuellement, genre... face lance la pile météore sur pile, et du coup après pile lance météore. Et pile lance, voilà, comme ça. Ils font mini atomium. Et ouais, j'avais dit mis en défense avec Steiner, tu vas faire. Mistre, il est bon, ouais, là, c'est bon. Putain, mais il vole super bien. Mais il a Lupin. Avec Omar Sy. Je croyais que c'était Lupin avec Harry Potter. Ah, mais ça marche aussi. Donc là, paf. Donc Allô, pardon. Donc lame glace plus épée glace. Ça devrait piquer. T'imagines avec attaque AMP 1300. Ah, j'avoue, on aurait pu faire ça. Ryu Ken. C'est quoi Ryu Ken? Bah, c'est comme dans FF10, ça prend des. Ça enlève des PV et des MP. Ça a toujours été ça en fait. Sauf que là, ça les retransmet pas, je crois. Ah, tu les voles pas, quoi. Mais je les ai déjà volés. Tu récupères pas une partie ou je sais pas quoi. Mais j'ai eu les deux objets sur les deux. Ryuken. Quand tu fais les 500 dégâts et... Non. Tu les récupères pas. Parce que même dans FF7, il y avait ça, en fait. Hein. Ah, nous en souviendrons. Pile s'en souviendra. De toute façon, nous n'avons plus besoin de la princesse Greta. Nous lui avons déjà tout volé, les matérias. Ça fait du bien de le dire. Et c'est pas rien de te le dire. Il faut que tu respires. Putain, vous avez vu, il y a Triforce inversée. Ravis-toi. Daga. On est là. Tiens sur mon doigt. Mzev. Ah, foutre le sou. Et tout le monde est corda. Ah, princesse. J'ai failli à ma mission. Je vais me faire assez plus cul. Princesse Gomenasai. Ah, je ne suis pas digne d'être chevalier. Non, je ne suis pas digne d'être né. Elle n'est pas encore morte. Oui, je sais. Vite, une queue de phénix. Faja, il faut sortir d'ici en vitesse. Daga, tu vas aller mieux, tu vas voir. Oh, je dois dire qu'à force de courir, je suis fatigué. Ça m'a bien fait les mollets. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je dois sauver Francu. Ah oui, Francu. Ah! Non, je ne peux pas échouer ici, petits amis.
Et on rappelle que la forêt maudite, c'est vraiment juste à côté d'Alexandrie. Cet homme court vite. Oui, alors c'est pas Ezio Auditore quand il portait le cas. Hein. Il fait oh, oh, oh. Une lettre de Kubo, veux-tu que je te la montre? Il la montre, mais il la lit pas, tu sais. Regarde, elle est là. Voilà. C'est comme quand tu me demandes l'heure. Oui, j'ai une montre. Ce tumulte, mais qu'est-ce que c'était? Plein de soldats dans les rues en ce moment, il y a. La princesse Greta, le brébou court que est revenue à Alexandrie, tu le savais? Une fugue parce que Kubo, elle a fait, n'avait plus confiance en la reine Brané. Rimrich. La princesse et la reine, à quoi pensent-elles? On ne comprend rien à ce que pensent les gens au jeu du château. Ok. On va sauvegarder. Poufip! Poufip! C'est leurs petites ailes. Ils étaient plutôt bien animés, les Mogs, mine de rien. Leur animation de sauvegarde, elle est stylée. Avec le double flip avant, bouquin, après il tombe sur le bouquin avec sa plume et tout. Le bouquin gay. Quoi? Que? Ah! Oh! Le Japon. Oui. D'accord. Je te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, putain? C'est quoi cette... C'est cette blague super limite, quoi, le bouquin gay. Alors, on a chopé, donc là, normalement, pas du tout. Ah non, c'est pour... On a pris que des trucs de chevalier, en fait. Oh! Ouais, le bandana. Ah putain, j'ai les munitions infinies, ça y est! Oui. En effet. Et oui. La boîte magique. Et donc voilà, Thor, donc Germina. Pas du tout. Ah non, Germina, c'est un. Voilà. Mais non, mais on a chopé quoi? Putain, mais. Une lance, partisan. Oui, on l'avait déjà. On a chopé. Putain, on a chopé quoi? Galaxy Express. Galaxias. Ah mais Galaxias. Mais c'est genre pour un personnage. Sois d'accord, ok, super. Ah non, Galaxias, c'est un truc pour Daga, je crois. C'est une Chistera. Ah ouais, c'est une Chistera. Et un mitrailé, une mitarmure. Non, faut remonter. Bordel de merde. Ça va, y'a pas de comment. Et allez, ce viande dans l'escalier en la portant, c'est pouf. Désolé, Daga. Ouais. Comment sûr, c'est vrai. Ouais, fracture de la colonne vertébrale aussi. Je me rappelle plus de comment je m'appelle. C'est Grenat ou Daga? Non, t'as qu'à te trouver un troisième prénom, c'est pas grave. Mais tu vas s'apprêter. On va t'appeler Gisèle. Et hop! Raté. Ah ouais, c'était celui-là. Ah ouais, Harry Potter n'a rien inventé. Hein. J.K. Rowling a joué à FF9. Hein. Ouais. Elle a dit dans une interview. Elle a dit Steiner, ah. Il est mort en fait. On dirait que personne ne nous suit. De toute façon, vu comment c'est galère avec le pont, là... Hop, ça marche dans les deux sens. Ah, mais pourquoi? Sa Majesté a-t-elle fait ça à la princesse? Ah, moi, Steiner, je donnerai ma vie pour défendre ma très chère princesse. Mais c'est vrai. Ça devrait être pareil pour Sa Majesté, nain. Après tout, c'est sa fille. C'est Steiner, je te comprends très bien. Moi aussi, ma fille. Tidane. Vous êtes d'ailleurs, elle va continuer à dormir? Mais non, elle est juste fatiguée. On va laisser se reposer un peu, d'accord? Merci. Si j'étais resté avec elle, il serait rien arrivé, putain. Oh, hein. Je suis désolé, Daga. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te ressemble pas, ce que tu es en train de dire. Mais ta race, toi. Avant, dans un moment pareil, tu te serais pris à moi. C'est pas vrai? Oh, n'importe quoi! Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que le pouvoir de l'amitié, si la colère et la haine sont trop grandes, on passe du côté obscur! Obscur! On peut même plus en pleurer!
Ah, Zidane. Est-ce que tu veux devenir un Brutus? Ils sont là. Ils sont là. C'est honteux. Oui. Oh non. Oh, j'ai pépé de me prendre des branlées là. Steiner, il y avait longtemps. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Ne me dis pas que tu t'es accoquiné avec ces barbares. J'ai tué des yétis. Ah. Quoi? C'est nous que tu traites de barbares? Espèce de grosse... Tu n'as toujours pas compris à ce que je vois. Oh non. Oui. Oh non. Il y a des trucs à voler, encore évidemment. Il y a un truc qui a l'air cool. Les autres, on peut s'en passer. Ok, bah parfait. Paf, paf, paf. Bon, là, au moins, on a de la défense. Il était si beau, il était si chaud. Ténébreuse. Ok. Ah, ça voit, je fais. Pas les couilles. Allez, vole, Zidane, vole. Choc. Non, mais pas. Bon, bah. On verra pas Ténébreuse tout de suite. Nos sous, encore. Ouais. Ah, on va pouvoir les revendre. C'est un des trucs les pas. Ou peut-être les combiner, hein, on ne sait pas. Ah. Un des trucs pas, pas intéressant. Tu sais, t'as quand même 3 chances de l'avoir, c'est cool. Je crois qu'en plus tu peux l'acheter aussi. Plus tard. Oui. Ça va. Ok. Il est pas mal. Voilà, on va taper un peu. Toujours l'impression que taper ça rendait les levels plus faciles. C'est sûrement pas vrai, mais. Oui, c'est sûrement pas vrai, mais bon. Bait. Ah ouais. Par contre, elle a pas un pool d'HP, oui, non plus monstrueux. Juste pour lui dire, c'est bon. Bah, il aurait pu se mettre une potion. Mais non, il y a l'été. Avec des dragons. Mais il l'a pu, hein, il est mort. Oui, mais c'est pour ça que je relance. Ah. Un René. Ok, c'était le deuxième truc qui nous intéressait. C'est pas. Bien, c'est pour le suspense, c'est fait exprès. Je suis un espagnol professionnel, moi. Mais de sérieux. Ah. Et voilà. Je suis invulnérable. Oh. Par contre, c'est chiant que le René ça se mette pas automatiquement sur les mecs morts. Tu perds un temps fou. Oh, Zidane! Un élixir. Allez. Non? Non. Arrêtez, bah les couilles. Putain, mais t'es sérieuse? Ah! Bon, défonce. Défonce là au pire, hein, c'est pas grave. Fait mal. Oui. On va faire le troisième œil pour voir ce qu'elle a. Et après, AMP. AMP, vous battez. c'était dur à prononcer en plus. Oh! Monte toutes tes poches! Un gilet canon. Eh oui. Alors on va pas taper avec Steiner parce qu'elle a beaucoup trop de PV. Enfin, oh mais non mais... T'as peut-être gilet bordel de merde. Ça il reste 8 René quoi. Enfin 7 maintenant. On a des Resurrex aussi. Ah. On a pas une méga potion ou une connerie ah, comme ça? Ah bah le combat est terminé. Oh merde. C'est un nombre de tours en fait. Ah non pas Mortimer. Je préfère Black. Tant pis pour le gilet camo. Oui. Donc on pourra en ravoir. Sachant que c'est juste pour Zidane en plus, ça. Je crois. Je sais même plus ce qu'il fait. Nous sommes bien trop faibles pour espérer me battre. Attends un peu. Attends. Attends. Je m'entraîne 10 ans dans la salle du temps et j'arrive. T'es général de l'armée d'Alexandrie, c'est bien ça? C'est quoi pour toi ta mission de général? Hein? C'est comme Benalla là? C'est taper des manifestants? Tu devrais protéger Daga, pardon, la princesse Grela, non? D'après toi, qui est évanoui sur ce trône? C'est un canapé, mais même. Mais...
C'est la Et là, elle shoot dans Bibi en passante. Je vois. Sa Majesté a donc essayé de la tuer. C'est quelqu'un qui m'a dit. Quoi ? Sa Majesté aurait fait une chose pareille. Mais on t'a dit il y a 5 minutes. Monseigneur, je n'ai qu'une chose à te dire. J'ai hésité trop longtemps, mais c'est fini. Je dois reconnaître que je me suis trompé. Oh oui. Ça m'a dit de le dire, mais elle a raison, Steiner. T'es vraiment un boulet. C'est pas ce que j'ai je dit. Je pense que mon crime... Pardon ? C'est pas ce que j'ai dit. Ah. Je pense que mon crime à l'égard du peuple de Blomessia est impardonnable. Oui. Bien sûr, je ne saurais te pardonner aussi facilement. Mais pour le moment, j'aimerais sauver Daga avant tout. Fréja, c'est bon ce que tu dis. Il va falloir prouver ton courage. Puis-je comptais sur toi pour sauver cette jeune fille. Oh non, les deux vont se battre ensemble, va falloir que je fasse les devoirs. Je ne sais pas jusqu'où va mon courage. Hein ? Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Oui, c'est quelqu'un qui m'a dit. Princesse, laissez-moi vous aider. Non mais on a essayé les queues de Phénix. Notre sortilège ne disparaîtrait pas aussi facilement. Ah, ce que vous faites est inutile. Et si c'est Moudata, ya. Princesse. Comment vous sentez-vous? C'est le pouvoir de Beat, en fait, c'est d'assimiler les accents des gens. J'ai mal à la tête, je... Que, quoi, hein? Regarde, c'est moi, Gita, tu me reconnais? Vous êtes Daga? Princesse. Vous êtes tous là? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Ah non, si. Zba. Incroyable. C'est Shao t'enlevé. Oh. La princesse Grena, Unklobleach. Ah, je vois, Zba. C'est incroyable. Vous lui avez enlevé toutes ses gibères? Ah, bien, vous l'avez tout enlevé. Ah. Alors arrêtez Grena, mettez dans un cajon. Avec une biscotte et un pichet de flotte dégueulasse. Ah, pour ça. Quoi? Oh, tu reçois cet ordre. Oui, je suis incroyable. Oh, on me contredit? Incroyable. Votre Majesté, j'ai pour mission de protéger la princesse. C'est pourquoi je ne laisserai personne s'en prendre à elle. Je m'occupe de tout. Fuyez. Je reste. Jidan, partez vite. Il n'y a pas deux minutes, vous étiez ennemis, et maintenant vous êtes complices, comme c'est intéressant. De la collaboration, Zba. Oui, nous sommes BFF. Bill, face, ils m'ont vraiment énervé. Massacrer les sans pitié. Mère, c'est vraiment pas très Charlie, hein. Fréja, couvre-nous. On a froid. On compte sur moi. J'ai pas osé la faire. Allez, d'ailleurs, on y va. Papy? Ah, princesse! Même pas un mot pour Beat. Ouah! Qu'est-ce que ah, c'est? Ah, mais la pièce, mon petit chouchou! Mais les Klein et Fult! Effectivement, elles font se battre côte à côte. Mais de mémoire, Beat, elle est complètement pétée. Hein. Ah, bah oui! C'est genre, c'est un paladin en fait. J'ai qu'à nous avouer, c'est. Elle a pas de trans, par contre. Non, mais elle a pas besoin. Fait sauter. Elle a l'âme sainte, magie sainte, donc elle a soin, vie, vie, plus Ezuna, quoi. Quoi? Un quoi? Sidéral. Sidéral, allez. Couché, Médor. Comme ça, on verra cette magie tout de suite. Et c'est la matéria blanche. Salut, 2700. C'est quelqu'un qui m'a dit que j'étais beaucoup trop pété. Je crois qu'on peut lui enlever son stuff. Hein. Non, sans déconner. Si vous voulez. Ouais, il y a encore des caniches. On descend.
Équipe Daga. Ah oui, c'est vrai, putain. Niveau 8. Ah lol. Galaxias, compétence plus ou moins l'invitation. Quoi Mis de bâton. Hein. Compétence plus. Non, mis de bâton, vie. À vie, priorité. Bah non, priorité compétence plus, comme ça on apprendra vie plus vite après. Eh. Ouais, mais Galaxias fait plus de dégâts. Mais on tape pas avec Daga. Si, ça peut arriver. Jamais de la vie. Bon bah t'as vu les dégâts qu'elle fait, elle fait des super dégâts à distance. Ouais, c'est pas exprès. Hein. 17... Ouais, pff, c'est plus grave. Non, en vrai, c'est... Enfin, pour moi, c'est plus rentable compétence plus, pour le coup. Je crois que ça double les PC qu'on prend après. Oh. Donc c'est vraiment un bon investissement. Plus tu la tôt, plus t'es tranquille. La belle affaire. Putain. Je t'entends dire. Ah, c'est le Yeti, hein. Oh. Ah, ils ont des sceptres. Des manches noires. Bon sang, on est encerclé. Exterminé. Je crois que je vais en mettre. J'avais déjà dit, mais... Tiens bien sûr mon doigt, tu verras des sympas. Ah, on peut rien invoquer, elle a plus du tout de trucs. Elle a plus de mana? Non, elle a plus d'invocation. Mais elle a jamais eu d'invocation. Je crois qu'elles étaient grisées. Non, je sais plus. Non, on les a jamais vues. Elle avait pas le... l'option, peut-être. Paf. Ah, c'est moins bien que Signer. Ah ouais, ça pique. Uch. Ah oui, t'as du décalage, quand même. Non, c'est que je me relevais de ma chaise. Elle est très très haute. Allez, salut. Steiner, homme du match. Il y a tellement pas de prêts. Non, mais elle a pris un 120 déjà. La boule magique. Voilà, 250 PV. La boule de lavage. Organix donc, hein, plutôt joli. Voilà, donc comme ça on peut changer l'arme de Bibi 18. Ah. Faut lui mettre exactement la même mais qui fait une autre magie. Non, si, foudre canne. Oh bah voilà, nickel. Arsenic. On avait point le foudre. Le sort foudre. Oui, parce que le foudre c'est l'arme de Zeus. Aïe. Ah ouais, ils sont deux. J'espère qu'ils craignent le feu avec toute cette fourrure dégueulasse. Allez, design. Foudre plus, ah. Des bandes snatch. Comme le trick avec les vite, hein. Mais non, bander snatch. Ça sert à rien de faire des soins avec Daga. Bah, remets 200 quand même. Ouais, mais des patates avec Daga. Bah ouais, mais non, mais Dylan, il a 300 PV, ils font mal, quoi. Attaque avec Chistera. Mais c'est pas une Chistera, ça. C'est un sceptre. Un sceptre Stera. Et comme elle est en dernière ligne, ça va faire pas beaucoup de dégâts, en plus. Mais si, parce que c'est une attaque à distance. Mais non, justement, c'est un sceptre. Mais non. C'est pas une Chistera. Bah, elle va quand même faire une boule de... Non, une boule celle-là, de non, elle a deux attaques, elle. Elle a l'attaque où elle va juste mettre un coup de matraque avec ça, et les autres, c'est les Chistera, elle attaque à distance. Ah. Ouais. C'est ça que c'est mieux les Chistera. Il a pris attaque AMP, c'est ça? Ouais, il a appris attaque AMP. Vas-y, tu peux même lui équiper si tu veux. Bah, j'avais pas accès au menu en fait. Et Strider, il est où? Ah. Je suis trouvé pour ces conneries. Allez, mon vieux, dépêche-toi, on t'attend là. Non, mais puis-je rester ici? Bah, pourquoi faire? Où? Bah, Beatus s'est révolté contre sa majesté à qui elle avait juré fidélité
Et qu'elle ait tué ses amis, Freya combat à ses côtés pour protéger la princesse. Et vu la colère de sa majesté, elle les tuera toutes les deux, tu vois. J'ai pas été très clair. Enfin bon, Zidane, j'ai une requête à te présenter. Oh, ça s'arrange pas. Conduis la princesse Sen et sauve jusqu'à chez Maître Toto. Toto Sensei. Toto Sensei. Il saura comment sauver Alexandre et Alexandra et ramener la paix. Problème, tu peux faire confiance, promis. Là, j'ai pas parlé de confiance. Moi aussi, je fais un de mon mieux. Ah, je sais, Maître Bibi. Monsieur Zidane. Oh, pardon. Monsieur Bibi, j'ai entière confiance en vous. Je galéje à des. Princesse. Adieu. Steiner, ils font ça pour moi. C'est tellement romantique. Exactement, les gars. Tellement magique. Ils font ça pour toi et Alexandrie. Oui. Et ils vivent pour eux-mêmes. Oh, c'est bon, putain, j'ai envie de chialer, les gars. C'est pour ça qu'on peut pas rester ici. Allez, le pouvoir de l'amitié, le ballon est ton ami, bordel. C'est pour ça que tu dois pas mourir ici. Tu dois vivre. Allez, Fonel, tu dois vivre. Mais moi, je... Non, y'a pas de moi-je. Merde, y'a les chiens de l'enfer, là. C'est pas le moment de réfléchir, putain. On ne sait pas faire. Et une femme. Ah, merci, Zidane, oh, super. Putain. Beauf de... d'Alexandre. Ah ouais. Ah non, beauf de Lindblom, lui. Beauf de Lindblom. Ah, en même temps, c'est un voleur, c'est un artiste. Voilà. Voilà. On va se prendre un strike... de la guide de des voleurs... Une blue bien. La Macronie. Ouais. Ah oui. Niveau 11 direct, ça a été niveau 8 quoi. Allez, on fonce. On changera les équipements de Steiner plus tard, s'il est encore vivant.